Vous écoutez Radio Campus, il est 19h. Il y a un gars à la radio qui me parle, je ne le vois pas, mais lui il me parle. C'est un truc qui va embraser le monde entier. Ça donne une de ses pêches. Radio Campus, 92.2. Bon, j'ai annulé notre tournée mondiale pour la fête de la musique. Ouais, j'ai entendu, ouais. Bah ouais, de toute façon, la boucherie, elle a déjà trouvé un autre groupe, alors. C'est qui? Bah, je sais pas, un duo solo, là. À côté de vous, SDC, c'est Pipo et Molo au fond du ski. Bonne nuit, les petits. Un suppo et au lit. Non, avec un petit coup de pouce, vous allez casser la baraque, hein. Bon, vas-y, commence, Thibaut. Les agités du local. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Comme un air de déjà-vu ce soir, on prend les mêmes et on recommence. L'année dernière, ils étaient passés dans l'émission, mais certains problèmes techniques m'ont obligé ce soir à les réinviter. Hein. Croyez bien que c'est pas de gaieté de cœur. J'aurais pu donc... J'aime bien le obligé. Ouais, moi j'aime bien le gaieté de cœur. J'aurais pu donc reprendre les mêmes questions qu'il y a un an. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein, en y apportant toutefois quelques modifications. Allez, vas-y, accusez les fonctionnaires d'être des branleurs, t'es encore pire. Car même s'ils sont ouais, aussi c'est vrai beaux, que ça va pas plus non plus. Hein. Car même si ils sont aussi beaux qu'il y a un an, les choses évoluent, hein, pas toujours en bien malheureusement. En ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne changent pas. Il attaque. Vous pouvez me laisser finir mon intro. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est la rage qu'ils portent dans leur cœur, dans leur musique. Bonsoir Sue Hélène et l'abominable JR. Salut Minou. Alors David et Vivi, hein, ce soir, pour ce duo improbable et plus que probable, hein, c'est un peu une logique duo dans la vie et sur scène. Alors pour les gens qui n'ont pas encore la chance de vous connaître, on va se lancer. Oui, il est gentil tout d'un coup, il est super oui, gentil, c'est cool. C'est une chance effectivement. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, on va déjà s'écouter un petit morceau et on revient tout de suite, histoire que les gens se fassent un peu, sachent s'il faut qu'ils aillent sur Cassis FM ou qu'ils restent sur non, Campus. Non, on a une surprise, faut rester sur Campus, hein, franchement, Cassis, non, faut rester sur Campus. Hein. C'est vrai, on a des chroniqueurs de qualité, contrairement à l'autre radio. Donc, on enchaîne avec ce premier morceau des Sue Hélène et l'abominable JR. On va commencer avec un morceau qui est sur votre album sorti en 2012, c'est l'album Notre Univers Impitoyable. C'est le morceau Sort de mon cerveau et c'est Sue Hélène, c'est des messages et en voici quelques-uns. Oh, attends, j'ai un jingle qui s'est lancé, ça commence bien. C'est parti pour Sue Hélène et l'abominable GR avec le morceau Sors de mon cerveau. C'est un petit machin, c'est sur toutes les conneries qu'on nous passait là. C'est une version live. Vous en avez pas marre d'écouter ce tube cathodique là qui vous balance des trucs? Arrêtez de boire, arrêtez de baiser, arrêtez de fumer, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela, mais arrêtez de nous faire chier! Ça sert à quoi? Peux-tu les traiter?
Fertilité, nous la croissance démographique, on en a rien à péter. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Si tu souffles martyr, que tu veux en finir. La chair de mon thérapeutique sera très tenue. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Sans Sarkozy, dans tous les journaux, il y a qui Sarkozy, qu'un soit pauvre con de Sarkozy. Sors de mon cerveau. Enculé. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Allez-y. Allez, sors. Et on entend que ça gueule derrière. Parce que Soulène et l'abonné à Blugière, c'est surtout, c'est du live, c'est du show. Ah ben oui, ça c'est soit du théâtre, soit de la musique, ça dépend de l'heure et de... De la performance. Ouais, alors en fait il y a des gens qui osent prendre des risques avec nous, c'est-à-dire que des fois on nous propose de jouer en cinquième position. Ouais. Il faut surtout pas. Ben, c'est vrai que quelque part c'est un petit peu énergique ce qu'on fait, donc oui ça peut coller, mais c'est sans compter sur un petit paramètre en fait. un petit détail. Un petit détail. Qui s'appelle l'alcool. Voilà, qui peut transformer. Non, on sait pas comment ça s'appelle. Non, mais ça peut tout simplement transformer un concert en théâtre. Hein. Après c'est bien un théâtre aussi, du théâtre, c'est sympa. Ouais. Bon, j'ai souvent vu des comédiens finir leur pièce eux. Ah ben nous on l'a fini notre pièce, mais c'est de l'impro. Je vous ai rarement vu finir les lives. Hein. Oh là là, ça fait combien d'années que tu nous as pas vu? C'est vrai, ça fait longtemps que je vous ai pas vu sur scène. Comment ça se fait d'abord? Bah je sais pas, peut-être que tu viens pas quand on joue. Peut-être que les gens ont pas envie de vous programmer. Ah non. Petit message à Maloka, il faut programmer Soulène et la Bohémienne Bugière. Ouais, ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus. En plus on sait qu'ils écoutent. Ils écoutent. Ah ouais, c'est sûr. Gros au Poutou. Tiens, Jean-Jean, je l'ai vu hier notamment. Je rappelle qu'il y a un concert ce soir. Demain, avec notamment les Burning Heads et Mad Marx et Toxic. Toxic. Ouais, je sais plus. Toxic Avenger, non, c'est pas ça. Non, c'est pas Toxic Avenger. ça me fait penser forcément au Krakenstein, ce que tu dis là. Ouais. Ouais, Toxic Avenger, vous avez vu que leur concert est annulé? Ouais, Magali s'est fracturé, pété la cheville. Oh putain. Je devais avoir une émission avec eux et c'est tombé à l'eau. Ben, ça va être tombé dans la neige. Voilà, c'est les agités dans le bancal, quoi. Ouais. On peut pas leur faire confiance aux vieux punks de Dijon. Ah ben si, tiens, regarde, on est là. Oui, c'est vrai.
Bien, on revient sur le sujet, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vous. Ce soir, je rappelle, il est déjà passé de 10 minutes, ça va très vite. Oui, je t'ai dit, c'est trop court, une heure, faut que tu fasses des émissions de deux heures, bordel de merde, on n'aura pas le temps d'en placer une, putain, c'est chiant. On reçoit David et Vivid, sous Hélène et la Bohémienne Bugière, duo punk dijonnais, haut en couleur. Alors, comment a vu le jour déjà sous Hélène et la Bohémienne Bugière? Alors, au départ, en fait, Vivi ne voulait pas jouer, enfin, elle jouait pas. En fait, déjà, elle jouait pas. Oui. Voilà. J'aimais pas ton style de musique. Voilà, parce que je jouais, moi, et je faisais un truc qui s'appelait Furoncle. Ouais, c'est ça, tu faisais Furoncle. Ouais, Furoncle. Et Furoncle, c'était du gothic metal. Donc, oui, du coup, dark, comment dire, c'était pas trop sa tasse de thé. Hein, il se maquillait, il mettait des semelles compensées. Non, pas besoin, là. En fait. mais non, parce que tu sais, quand t'es tout seul, en fait, tu fais pas vraiment de scène quand t'es tout seul, c'est compliqué. J'ai essayé une fois avec les portières de la voiture ouvertes en mettant la bande son et puis en gueulant derrière, mais c'était un peu à chier. Donc, voilà, surtout que Vivi a essayé de chanter avec moi et puis je l'ai viré parce que j'ai cru que tout le monde se barrait à cause d'elle. C'était juste moi qui lui faisais peur, Boulando, en fait. Boulando, c'était horrible ce coup-là. Enfin bon, du coup, il y a un copain qui, lui, il aimait bien Furoncle. Comme quoi, il y a des gens qui aiment tout, hein. Ça peut arriver. Tous les gousses des vers dans la nature, mon pauvre monsieur. Et puis voilà, lui, il a dit « Ah, je veux Furoncle, tu te démerdes comme tu veux, je veux Furoncle. » Ok, ok. Et j'ai dit « Bah, Vivi, elle voudra jamais. » Et puis Vivi, « Ah bah si, moi je veux. » Ok. Bon bah d'accord. Et donc, on a fait un set, un premier set de Sous Hélène, où il n'y avait pas de Furoncle, où on a fait des reprises. On a fait « I Wanna Be Your God », on avait « Baos », on avait « Pink Floyd ». Ah quand même, elle avait jamais touché une basse de sa vie, en trois semaines elle était capable de jouer, c'était un truc de dingue. Putain, je suis désolé, je parle beaucoup. Vas-y, à toi Vivi. Non, j'ai rien à dire. Bah, en tout cas, quand j'explique à des gens ce qu'est Sous Hélène et la Bohémienne Bugière, j'ai souvent dit que vous étiez les Ludwig dijonnais. C'est vrai qu'on est un peu inspiré, oui. On est un petit peu inspiré, on peut pas dire le contraire. Hein. Ça ressemble pas mal. Après, les textes sont peut-être un petit peu plus engagés que chez Ludwig. À la banlieue rouge, ouais. J'avoue que moi, j'ai jamais accroché à Ludwig. Hein. À part deux, trois chansons, j'ai jamais été un dans fan. Dans l'esprit un peu festif. Et pourtant, tu nous aimes, nous. Bah oui. Bah comme oui. Quoi. Tu vois, tu peux aimer Ludwig, mais moyennant que ce soit... Comme quoi, on n'est pas regardant sur la qualité. Non, mais après, on travaille les textes, on fait ce qu'on peut, mais... Oui, c'est ça. Alors, en fait, voilà, Sous Hélène et l'abominable JR, c'est ça. C'est beaucoup de textes et des textes vraiment très, très, très travaillés. On assume tout ce qu'on dit dans tous les sens. C'est voilà, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et la musique, ben, c'est un vecteur, parce qu'il faut bien un vecteur. Mmh. Voilà. Et on se déguise sur scène parce que quand tu fais de la merde, c'est bien de mettre du papier cul autour. Je reconnaissais une autre dans le genre. On est tous les mêmes quand on a les doigts qui passent à travers le papier. Voilà. Sur ce, on s'écoute un autre morceau de Sous Hélène et la Bohémienne Bugière, toujours issu de cet album live. Il avait été joué où d'ailleurs? À Chaumusset. Ah oui, c'est à Chaumusset. T'as raison. Donc, c'est pas Non, mais non, c'est pas celui-là. C'est la fameuse Pouillère. Bah oui. Non, ça c'est le premier album, ça, Vivi. C'était Retour aux sources. Ah oui, d'accord. Là, on est dans le Haut-Doubs. On est dans le Haut-Doubs. Nant-sous-Sainte-Anne, oui. C'est ça, à Nant-sous-Sainte-Anne. Et du coup, je te reprends, en fait, c'était pas 2012, c'était 2009. Putain, ça nous rajeunit vraiment pas. Non, je crois que c'est des conneries. Bah, en tout cas, il est paru en 2012. Oui, voilà. Oui, on écoute tout de suite un morceau sur une partie de la population que vous aimez bien, qui s'appelle la police. Et c'est le morceau d'Inspecteur Alambic. Parce que oui, ces gens-là boivent aussi. Inspecteur Alambic. Nos amis de la brigade anticriminalité qu'il ne faut surtout pas oublier. Oh, la brigade anti-criminalité, un nouvel inspecteur vient d'être nommé. Des gros et psychotiques, des ivrognes invétérés. Ce sous l'eau passif, c'est qu'on dit toujours bourré. Inspecteur alambic, super-héros pathétique, alcoolique, narcotique. Inspecteur alambic, ton insigne est bien pratique. Dans sa quatrième bleue, alambic est très nerveux. Car pour le moment, c'est lui qui tient le record. Personne n'a battu. Essayons encore, un routier bourré ou un motard sans phare. Inspecteur alambic, super-héros pathétique, alcoolique, narcotique. Inspecteur alambic, ton insigne est bien pratique. Dans son costard crasseux, alambic est très fier. Car il a embarqué une pute
septuagénaire. Il s'empresse de l'emmener à monsieur le commissaire. Pour prendre du galon, c'est plus que nécessaire. Un traiteur alambic, super-héros pathétique, catholique, narcotique. Un traiteur alambic, ton insigne est bien pratique. À bord de la gare, alambic est anxieux. Il est tellement à cran qu'il cherche qui y a de mieux. Une bonne dose de cam, ou bien quelques en fait, pour que l'enfer se calme, enfin dans sa petite tête. Un traiteur alambic, super héros pathétique, catholique, narcotique. Un traiteur alambic, dont l'insigne est bien pratique. Inspecteur alambic, super héros pathétique, catholique, pathétique. Inspecteur alambic, ton insigne est bien pratique. Sale pourri de flic. Sale pourri de flic, on n'entend pas le flic. Alors je ne sais pas ce qu'est un flic. Un flit. On le saura peut-être un jour. Un flit. C'est flippant alors, quand même. Ouais, c'est une frite bleue peut-être, je sais pas. Alors oui, voilà, sous Hélène et l'abonné obligère, c'est quand même. Vous avez vraiment une préférence pour faire des chansons sur l'aspect. C'est cette fameuse question là que je vous ai posée l'année dernière et qui a complètement changé de sens. Ah. J'avais écrit ça. Vous avez une préférence pour faire des chansons sur l'aspect déplorable de l'humain plutôt que sur la partie valorisante d'une personne. Concrètement, vous écrivez plus des chansons sur des ratés que sur Gandhi ou l'abbé Pierre. Ah oui, alors effectivement. Effectivement, en un an, cette phrase... Oui. Non mais t'as raison, c'est très intéressant. C'est vrai qu'actuellement, on pourrait écrire pour l'abbé Pierre, enfin sur l'abbé Pierre plus exactement. Ben, franchement, ça peut être un bon sujet. C'est mais vrai que... Tu vois comme quoi une question en un an a complètement changé de sens. Ah oui, bah là, totalement pour le coup. Alors en fait... Mais enfin voilà, l'absurde est très présent sur vos morceaux. C'est important ça de pas se prendre au sérieux. Ah bah, c'est vital. En fait, c'est vital. Sous Hélène et la bonne hier. C'est Vivi. C'est vital. C'est Tatal, c'est vital. C'est mon deuxième surnom. Voilà. Donc en fait, sous Hélène et l'abominable JR, c'est de l'exutoire. Étant donné que nous avons un emploi tous les deux, donc nous ne sommes pas intermittents du spectacle, et donc nous ne gagnons pas notre argent avec... Enfin, je tiens à rectifier, ils ont un emploi, ils sont fonctionnaires. Hein. Oh, non mais vas-y, comme ils balancent quoi, vas-y quoi. Déjà qu'on nous crache dessus toute la journée, là, ça va continuer ce soir. Eh ben, le 5 décembre, il y a une grève, on y sera. Et putain, tu m'étonnes qu'on y sera, c'est clair. Ah, vous avez vu que le Sénat a adopté un deuxième jour. Non, mais le Sénat va finir par être dehors, un coup de pied au cul, puis ça va pas tarder. Un jour de soutien, enfin, dissoudre. Ouais, ils veulent nous faire travailler 7 heures de plus, pas payer. Non, mais puis quoi encore ? Non, c'est pas voté. C'était pas sous Fillon. Il y avait déjà eu ça sous Fillon, il me semble, hein, avec le jour férié qui avait Fillon, été pour les vieux. Ouais, ben bah, Fillon. Et on l'a eu où ? Hein ? On l'a eu où ? Voilà. Je ne sais pas, on revient là-dessus. Voilà, donc du coup, on revient à nos moutons. Justement, ce qui vous intéresse, c'est vraiment l'aspect plutôt déplorable des gens, un peu comme ce que je viens de faire. Un peu le côté, en tout cas, le côté plus déplorable des gens, le côté un peu absurde. Oui, bien sûr. Reste dans le match. Voilà, c'est ça. Mais il est con, lui. Pardon. Voilà, non, parce que de temps en temps, on rigole aussi quand même, faut pas déconner. Donc, ça le truc, c'est que. Question, voilà, sous Hélène et Abominable JR, donc je disais, c'est un groupe qui fait dans l'exutoire. Et donc, faire dans l'exutoire, tu vas pas chanter I love you, baby, baby, I love you pour exuter. En anglais, tu le fais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est en fait, quand t'écoutes du sous Hélène, tu danses sur du sous Hélène, tu fous à fond chez toi du sous Hélène, et ben t'as pas envie de cramer des bagnoles, quoi. Enfin, c'est bon, t'as lancé toute ton énergie. Toute ta haine, t'as craché toute ta colère. Tu crames juste tes pattes que t'as fait cuire et que t'as oublié parce que t'étais en train de danser sur du sous Hélène. Ben voilà, mais ça peut arriver malheureusement. C'est vrai qu'on a beaucoup de retours de ce côté-là, des gens qui ont malheureusement fait cramer leur bouffe à cause de nous, c'est vrai. Paix à leur âme, pauvre spaghetti parti trop tôt. On s'écoute un autre morceau. On va écouter Les Pigeons, hein, si vous voulez bien, parce que ce morceau-là s'écoute mieux sur cette version que sur Si tu veux, il n'y a pas de souci. De toute façon, le résultat est le même. On va toujours se faire chier sur la voiture ce soir, parce qu'à chaque fois qu'on la met, on se fait chier sur la bagnole. Quoi. Ouais, ah la vache, en ce moment, je suis dans les vignes, hein, et il y a tous les étourneaux qui tournent dans les vignes, qui viennent manger. Ils te chient dessus. qui viennent manger les derniers raisins qui restent sur les vignes. Ok, et tu sais quoi, ce soir, tu diffuses Les Pigeons, demain, ta voiture, elle est clafie.
Bah, j'ai la bagnole rampe. Du coup, j'ai des chures de d'étourneaux qui bouffent du raisin sur le camion. Et toi, ça énerve quand même. Et tu verras que les pigeons et les étourneaux, c'est le même combat. J'irai demain avec un fusil dans les vignes. C'est parti, on s'écoute tout de suite les pigeons. Ces espèces de petites bestioles qui ont des ailes là et qui volent partout et qui vous chient sur les bagnoles quoi. Si vous aimez ça, nous on les adore à la broche, ouais. Et encore, hein, et encore. Exactement. Exactement, et je le revendique. Il y a bien 100 000 raisons pour détester les pigeons. Qui savent si bien viser. Dès que j'en vois un, je stresse. Surtout quand je viens de laver ma caisse. J'imagine même pas le bordel si les vaches avaient des ailes. Je hais les pigeons, je hais les pigeons, je hais les pigeons et ceux qui leur fait des croutons. Je hais les pigeons, hey, je hais les pigeons, hey, je hais les pigeons et ceux qui leur fait des croutons. Je hais les pigeons, hey. Si j'avais un pigeon, j'y mettrais pas un quignon. C'est ravol en psychopathe, qu'on la tête reliée au pâche. Y'a toujours des gens bizarres pour les nourrir dans les squares. Ils se prennent peut-être pour des statues, ou aiment se faire chier dessus. Y'avait trop de pigeons, y'avait trop de pigeons, y'avait trop de pigeons qu'on pousse à la consommation. Y'avait trop de pigeons, hey, y'avait trop de pigeons, hey, y'avait trop de pigeons qu'on pousse à la consommation. Y'avait trop de pigeons, hey. Y'avait trop de pigeons, hey. Société de consommation, tu nous prends pour des pigeons. Avec ton blé empoisonné, tu crois pouvoir nous plumer. Tu nous files la crise financière par devant, mais par derrière. Mais ton système qui bat de l'aile, préparons l'option aux armes pigeons, hey, aux armes pigeons, hey, aux armes pigeons, préparons l'option. Préparons l'option, hey. Préparons l'option, hey. Moi si j'étais un pigeon, je chierais sur ma tignon. Et pour être plus expressif, j'picorais des laxatifs. J'serais un super volatile, méfiant, guidé comme des missiles. Sorti de mon cul d'emplumé, ne raterons pas l'Elysée. Je suis un pigeon, je suis un pigeon, je suis un pigeon qui chie sur les cons. Je suis un pigeon, hey, je suis un pigeon, hey, je suis un pigeon qui chie sur les cons. Je suis sur les cons, hey. Je suis sur les cons, hey, hey. Merci beaucoup. Eh ben merci à vous, Sous Hélène et l'abominable JR, pour ce morceau. Le morceau Les Pigeons, qui est sur votre album Notre Univers Impitoyable, paru en 2012 déjà. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça fait un petit temps, mais je tiens à préciser qu'on n'a pas payé les gens qui gueulent derrière. Hein. C'est vrai. Hein, Ils étaient consentants. Consentantes. Ouais. Ils étaient consentantes. Consentantes, ils étaient consentants et c'est consenti. j'étais en train de. Je voulais vous demander. J'avais des notes en fait. Cette émission est vraiment faite avec les pieds comme d'habitude. Non, c'est juste qu'il faut que tu arrêtes de boire quand tu fais tes émissions. C'est le reproche qu'on nous fait aussi à nous quand on joue. On n'est pas petit con, on dit picon. Et si on s'écoutait le morceau que vous avez préparé hier. La surprise. La surprise, c'est maintenant, 19h24, c'est bien, c'est un bon timing. Ouais, c'est un super timing. Alors David, je sais que la poésie, c'est ta passion, et vous allez pouvoir le constater. Attends, je corrige, c'est la passion à tous les deux. Les paroles de Sous Hélène, c'est tous les deux, c'est vraiment tout 100% tous les deux. Tu parles du sosie de Patti Smith, là? Oui, tout à fait. Évidemment que c'est sa passion, c'est le sosie à Patti Smith. En tout cas, vous allez pouvoir le constater, car on va s'écouter tout de suite à une nouvelle compo, et ça me fait rebondir un peu sur une question que je voulais vous poser plus tard, mais finalement, ça tombe plutôt
plutôt pas mal que ça tombe là. Et est-ce que l'actualité est inspirante pour composer des morceaux? Je pense notamment à l'élection d'un certain président des États-Unis tout récemment, ou à, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais ce qu'on disait tout à l'heure sur le Sénat. En tout cas, voilà, est-ce que l'actualité, c'est une influence, une inspiration, c'est en tout cas un truc qui vous permet de composer. Ouais, tout dépend si ça nous énerve ou pas. C'est clair. Et puis celle-là qui s'appelle Faute vos jeux, en fait, elle a été. C'est une chanson qui existait déjà, mais on l'a remodifiée suite à la dissolution qui nous a vraiment énervé au plus haut point, quoi. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et dedans, il y a quelques petits clins d'œil d'actualité aussi. Évidemment, écouter comme ça, sans faire attention, on a l'impression que c'est du blabla. Non, on fait pas du I love you baby, I love you. Écoutez bien les paroles, parce que il y a toujours un petit truc qui se cache quelque part et qui est sympa d'entendre. Ça reste un proto, hein. On a vraiment enregistré vite fait hier et avant-hier. T'as raison de le souligner, Vivi, c'est que c'est vraiment un premier jet et forcément il y aura des défauts, mais bon. On a mis 2 jours pour l'enregistrer, vous vous rendez compte comment on s'est foutu la rate au courbouillon pour vous là, hein, bordel de merde. J'aime bien cette expression, la rate au courbouillon, je la connaissais pas avant que ma compagne me la dise. Et comme quoi tu vois, elle invente pas tout. Non, elle invente pas tout, non. Mais nous on va pas se mettre la rate au courbouillon, en attendant on va se boire un petit Dijon, un petit Beaujolais, parce que si David et Vivi sont du patrimoine local, il y a quelque chose de local pas si loin que ça, et en tout cas qui est patrimoine français, c'est le Beaujolais nouveau, c'est aujourd'hui, donc on va se boire ça le temps du morceau. Avec grand plaisir. En tout cas, voilà, c'est le morceau Faites vos jeux. Je rappelle que c'est un prototype, c'est un premier jet, donc soyez indulgents sur la musique. S'il vous plaît. C'est merci, parti. Merci. C'est parti pour Faites vos jeux. J'ai peur. Tais-toi. Je te cloue le bec là. Tous les grands jeux de société se jouent le dimanche quand on se fait chier. Après une bonne part de tarte, on va enfin sortir les cartes. C'est à celui qui sera le plus fort, qui fera péter tous les scores. Et à la dentaire, résultat, ça se finira en pugilat. Alors faites vos jeux, à la roulette, tu sais la chorale. Faites vos jeux, au bout du scrutin, c'est trop de balle. Faites trop de balle. On voit leur gueule de facho, on sait qu'on va tirer pour l'eau. Qui décrochera la cagnotte, amassée par nos bulletins de vote. À qui veut gagner des millions, y'a pas de plan, ni d'abstention. L'important c'est de participer pour que leur partie soit financée. Alors faites vos jeux, à la roulette russe électorale. Faites vos jeux, au bout du scrutin c'est trop de balle. Le trou de balle. Parmi ces joueurs compulsifs, faudrait faire un tri sélectif. Fini pour eux l'impunité. Les tricheurs seraient de la poulée. On dégagerait tous ces pourris comme les bacs jaunes en Malaisie. Pour une fois, ce serait justifié que nos ordures partent à l'étranger. Alors faites vos jeux, faites vos jeux. À la roulette russe électorale, faites vos jeux, au bout du scrutin, c'est trou de balle. Le trou de balle. Quand tu gagnes au Monopoly, c'est pour loger tous leurs amis. Ils font jouer leurs relations pour éviter la case prison. Sans aucune triviale poursuite sur leur trône. Pour évacuer par voie rectale toute leur progresse électorale. Alors faites vos jeux, à la roulette russe électorale. Faites vos jeux, au bout du scrutin, c'est trou de balle. Le trou de balle. Rien ne va plus. C'est la lune.
Ah, t'as pas final. Ah si. C'est le point final. J'étais perdu. C'était le morceau Faites vos jeux. Voilà, nouvelle compo de Sous Hélène et l'Abominable JR. Est-ce qu'on peut, avec ce tout nouveau titre, est-ce qu'on peut dire que c'est le morceau de la maturité? Alors, s'il y a un autre grand âge, c'est ça? Je sais pas. Il paraît qu'on a 15 ans en fait. Alors j'ai encore fait une bataille de boules de neige cet après-midi. T'as mis des cailloux dedans, j'espère. Bah, évidemment. Et des clous. Et du sable et des verpillés. Ah bah tiens, on rebondira sur celui-là, tiens. Oh putain. En tout cas, vous n'avez pas d'équivalent, et c'est tant mieux d'ailleurs. Sur Dijon, je connais pas vraiment, je connais personne d'ailleurs qui fait vraiment dans ce que vous faites. Alors oui, vous avez, comme tu disais, vous n'avez pas une production très élevée, mais ce qui compte, c'est quand même la qualité. Et c'est vrai. Et je disais tout à l'heure. Les mauvaises langues diront. Tant mieux qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, les Sex Pistols, il y a un album, quoi. Donc, Oui, mais les Sex Pistols, c'était quand même un boys band de merde qui a été rassemblé pour concocter ce truc qui était bankable, quoi. Par Malcolm McLaren, exactement, ouais. Eh oui. Nous, non. Ça a quand même bien marché. Hein. Oui, ça a bien marché, mais nous... Ouais, c'est vrai que nous, on gagne moins de thunes, hein, c'est sûr. On est peut-être des fonctionnaires, mais on est incorruptibles, nous. Ouais. D'abord... Bien, très bien. On rigole, on déconne, tout ça. Mais il y a une vraie philosophie, en tout cas, une conviction qui est celle du qui se cache derrière vos morceaux et votre attitude et votre démarche, c'est celle du zéro profit. En tout cas, si ce n'est celui du profit humain. Oui, exactement. Les rencontres avec les gens au fil des c'est surtout ça. Au fil des concerts. Dit, ouais. La musique est un partage. Et c'est vraiment notre credo. Voilà, ça n'a pas de prix, ouais. Ah, l'anarlove. L'anarlove. Et ben, voilà. J'ai envie de t'entendre, Vivi. C'est quoi cette histoire d'anarlove? Ah ben moi je vais laisser David. Je vais te laisser raconter. Bon, c'est ton projet, c'est ton. Alors il parle d'anarlove, tu parleras d'Ernest. Bah non, je. Bah si, tu parleras d'Ernest. Allez, vas-y. Ok. Bon, alors j'y vais. Le logo. Ah. Bah oui, okay. Quand même. Alors j'explique, vite fait. En fait, on a un copain qui est fonctionnaire. Décidément. Bande de gauchos. On est des entre nous, c'est pour ça qu'on est copains avec Minou. Tiens, paf. Le jour où ils vont découvrir que je suis extrême droite. La vache, putain, ça va faire mal ça. Non, arrête tes conneries, c'est pas possible. Je te crois pas, je fais un déni total. Et donc Anarlove. Anarlove. Donc Anarlove, c'est une guitare qu'un copain a décidé de me fabriquer, en fait, parce qu'il avait des talents d'ébéniste et il faisait des guitares pour lui. Je lui ai dit, ben tiens, ce serait cool que tu m'en fasses une, en fait. Et puis il m'a répondu, ben ouais, mon Dave, moi ça me ferait super plaisir de te faire une putain de gratte et puis que tu joues avec sur scène. Et je lui ai dit, écoute, par contre, je vais te faire chier, parce que moi, je veux une guitare vraiment particulière. Donc, elle est en forme de cœur. Elle est noire. Ah, oh, le big love. Avec un A comme « Arrête de dire des conneries » sur la caisse en rouge, en résine époxy. Avec le manche qui part d'une épaule du cœur, comme si c'était une flèche qui transperçait le cœur. Et ça... posé sur ma belle robe rose, c'est du meilleur ton. Oh, putain, avec un micro. Je sais pas comment il allait finir cette phrase, voilà. Avec ma belle. Okay, non, robe rose, s'il te plaît, calme-toi, détends-toi. J'avais le Beaujolais commence à agir. Attention, hein. Bah, j'ai pas assez goûté, moi, mais bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça a été un petit peu glouque. Vous faites des morceaux courts et pourtant vous avez des choses à dire. Et bah ça tombe bien, on va s'écouter parce qu'on n'écoute pas assez de musique. Mec, il est déjà 30, il est que 33. Ah, tant mieux. C'est parce que je parle vite. Tu vois, quand je parle vite, et ben on arrive à parler. En fait, c'est ça qui est tout le secret. Désolé, cher auditeur, mais du coup, si je parle pas vite, en fait, on va être dans la merde parce que je pourrais pas dire tout ce que je veux dire. On va laisser un peu de temps, justement, pour parler, surtout à laisser parler Vivi sur, justement, ouais, Ernest. Ouais, faut laisser parler Vivi parce qu'après, elle va me dire, balance ton gros porc, t'arrêtes pas de parler, puis moi, j'en place pas une. Vous avez un logo qui est incroyable et qui est fait par, encore, du local. Oui, Ernest. Comment c'est venu? C'est parce qu'on avait fait un jeu qui s'appelait le jeu du... Du punk logo. Ouais, du punk logo. Parce que ah, c'est vrai. Comme on est feignants, on avait demandé aux gens de nous faire un logo. Je vous avais fait un truc aussi, moi, oui. Mais je sais plus c'était quoi. Et je donc, sais plus. Il y avait les cartes aussi. Oui. On avait plein de trucs. Plein de trucs super sympas. Et c'est Ernest, vrai comme pas tu l'as dit, a beaucoup de talent. Effectivement, pour lui, c'était... On pouvait difficilement rivaliser. Voilà.
Donc il a gagné, mais bon, on n'a jamais fait. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse une petite fête tous ensemble pour les ceux qui ont participé au jeu du Punk Logo et se faire un petit truc. Ça commence à faire loin maintenant. Ouais, mais c'est pas grave. Alors en plus, le truc à gagner, c'était une bouteille et en plus notre considération à vie. Le pauvre vieux, il a eu que notre considération à vie. C'est pas cher payé quand même. Bah en même temps, il boit plus. Donc oui, c'est peut-être pour ça qu'on va faire un truc maintenant. Orangina, c'est cool. Mais on mettra de la vodka dedans, mais c'est pas grave. On a attendu longtemps, on l'a vu à l'usure. Pour les gens même, qui connaissent pas Ernest, c'est déjà faut refaire votre culture. Et en plus, il a quelques fresques qu'on peut voir dans Dijon, notamment je crois au Grésy. Il y a un bâtiment, il y a un immeuble où il y a toute une face faite par lui. Dans la rue qui monte pour aller sur Eiffel, quand vous venez de Dijon Centre et que vous montez sur Eiffel, sur la droite, il y a toute une façade de bâtiment qui est peinte par lui. Et oui, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ah oui, avant le lycée, c'est ça. Ouais. Passe, il y a les trucs d'escalade sur la gauche, et c'est sur la droite, il y a le bâtiment qui est peint par Ernest. Il y a un truc. Bibliothèque Maladière aussi. C'est ça, Bibliothèque Maladière. Oui. Et il y a aussi, si vous prenez l'autoroute en direction de Sombernon, il y a. La maison de l'Écluse. La maison de des voies navigables de France, exactement, qui est fait par lui. C'est souvent des enfants avec des baillons. Son style est assez reconnaissable. Et des battes de baseball. C'est vrai. En tout cas, Ernest, on lui fait un gros bisou s'il nous écoute. C'est clair, un immense bisou même. Et je te jure, un jour, on te paiera ta bouteille quand tu recommenceras à boire. On va s'écouter tout de suite. On va passer sur l'album qui est de 2015, paru en tout cas en juin 2015. Il est de 2015. Le morceau Jeunesse Dorée. On est sur... Il y a plusieurs morceaux là sur nos amis, les bourgeois, en tout cas nos amis, les aristos. C'était, comment on l'a appelé, notre univers impitoyable. Non, là, c'est la conquête de l'Ouest, c'est celui d'avant. La conquête de l'Ouest. Il faut que tu révises tes notes sur Sous Hélène Abominable Gire, t'es pas très bonne quand même. Le live au Petit Paumé. Voilà. Le live au Petit Paumé. Exactement. C'est à Chemisset, exactement. C'est parti pour Jeunesse Dorée. C'est parti. Ça chauffe. Quand suis-je même si t'es filial, la fille se vaut avoir un nom commun.
Oh yeah, live au Petit Paumé, c'était le morceau Jeunesse Dorée. Nos chers bourgeois qui ne sont pas épargnés, en tout cas sur ce live, avec le Jeunesse Dorée, il y a le, comment, Aristocrate, il y a quelques morceaux. Ouais. On aime bien parler d'eux. Non mais comme je t'ai dit, c'est exutoire. C'est parce qu'on est jaloux en fait. Ouais, ça doit être ça. On aimerait tellement être riche et célèbre. Oui, non, mais en fait, on est fonctionnaire juste parce qu'on n'est on est pas bien né. Non, parce qu'on aime les vacances. Oui, aussi. Ah oui, ce que disait Sarko, c'est des gens qui veulent être tranquilles, qui veulent pas bosser. En tout cas, est-ce qu'on aura, justement, ça avait l'air d'être un live incroyable, est-ce qu'on aura la chance de vous voir très prochainement sur scène? Alors, pour le moment, il n'y a pas de date de prévu. C'est vrai qu'on a discuté au manoir, mais Vivi, je pense que tu ne te rappelles plus, on avait un petit état d'ébriété qui était un petit peu dépassé, on va dire. Non, c'est parce que j'Alzheimer. Oui, voilà, on va dire ça. On avait discuté donc avec des gens qui tenaient une petite auberge dans la brousse du côté de Champagne-sur-Vingène par là-bas. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa qu'on fasse une petite date là-bas. On avait discuté aussi avec... Au manoir Non, du c'est coup, pas... Ah non, c'est pas au manoir. Non, mais au manoir, on avait discuté. Le manoir, on y a déjà joué. C'est déjà fait. Ouais. Enfin bref, rien de prévu. Non, rien de prévu dans l'immédiat. Vu qu'on a fait cette nouvelle chanson, on va peut-être être un petit peu motivé. Oui, beaucoup plus. Hein. Déjà. Bon, en tout cas, c'est on aura beaucoup plus de mal à refuser des dates, en fait. En tout cas, c'est un. C'est... J'ai toujours trouvé que c'était bien écrit, que c'était bien fait. Et, après, voilà, évidemment, on n'est pas sur un groupe où il y a deux guitares, une électrique. On n'est pas sur. On est un super groupe très, très musical. Mais en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une énergie dans ce que vous faites. Vous vous donnez vraiment. Et forcément, dans les textes, j'ai toujours trouvé assez incroyable. Je suis très réceptif aux paroles. Il y a notamment ce morceau « À tes souhaits ». On l'écoutera juste après. Le morceau « À tes souhaits », athée comme quelqu'un de athée, laïque, je dirais. « À tes souhaits ». Il y a cette phrase, la différence entre une capote et le Vatican, c'est le nombre de glands qu'on met dedans. Et je trouve, ça peut paraître... c'est pas de nous, hein, c'est une blague. Ouais, oui, en fait, c'est une blague, mais je t'avoue, je t'avoue quand on est, c'est vrai que, de toute façon, quand on écrit des chansons, le but, c'est de faire marrer l'autre. Quand on arrive à faire marrer l'autre, oui, on garde la phrase. Mais quoi. C'est comme les pigeons, j'imagine même pas ce bordel si les vaches avaient des ailes. Parce que pour c'est pareil, c'est pas de nous les pigeons non plus. Qui chient sur les bagnoles. Voilà. En fait, toutes les bonnes punchlines, elles sont pas de toi. Là, pas forcément, non, mais on les réutilise avec plaisir. Hein. Heureusement, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, sinon on serait dans la merde. C'est mais ce qui me semblait, que je me demandais aussi comment tu pouvais avoir autant d'éclairs de génie. C'est parti, on s'écoute le morceau. Il va nous trouver, je te jure. On se laissera pas faire, je te promets. Il nous fait du Beaujolais. On s'écoute le morceau « À tes souhaits », c'est parti. Sur le 92.2 « À tes souhaits » de Sue Hélène et l'abominable JR. Maintenant ça va chier. Ce morceau c'est un morceau anti-cumélie. Je me doute qu'il n'y en a pas dans la salle et c'est tant mieux. Ça va chier. À tes souhaits. Dans nos bénis, mais que tu savais pas nager, t'as encore failli passer la religion.
Alors, ce qui est sûr avec Soulène et l'Abominable GR, c'est qu'on est toujours dans la légèreté, hein. Notamment avec ce morceau « À tes souhaits, à tes souhaits hein. ». Pardon, excuse-moi, j'ai avalé un prêtre. Et voilà, avec le morceau, je disais « À tes souhaits »,« Inspecteur Alambic »,« Gros porc », avec du sable. Tiens, on l'écoutera peut-être tout à l'heure, d'ailleurs. Bah oui, c'est notre chanson romantique, quand même. On est dans la légèreté. Comme toujours, tout en finesse. Comment vous composez? Comment vous, est-ce que Vivi, tu interviens sur les textes ou... Ah bah, on les fait à deux de toute façon. Je suis très exigeante et toi aussi. Et t'es encore plus exigeante que moi. Et c'est ce qui fait notre et force. C'est à coup de dictionnaire, c'est à coup de. On aime bien le premier, deuxième, troisième degré. Quatrième, cinquième, sixième. On va pas jusque là. Non, ça dépend de l'état d'ébriété, c'est pareil. Parce que ça se passe aussi toujours dans un contexte... Il faut que ce soit dit simplement et efficace. Ouais. Et en fait, le but, c'est qu'on arrive à faire marrer l'autre. Quand on arrive à faire marrer l'autre, on garde le texte. On garde la ligne. Ah, c'est comme ça que vous dites, tiens, ça, bonne accroche, on la garde. Voilà. Ah bah, des fois, on se fend vraiment la gueule. Hein. Ouais. Et puis des fois, ben, le lendemain, quand on relit ce qu'on a fait, ben, finalement, ça part à la poubelle. C'était que de la merde, mais on a trouvé ça drôle sur le moment. Et puis voilà. C'est quoi qui est le plus important pour vous? C'est justement cette phase de compo ou c'est la scène? C'est peut-être plus l'exutoire, la scène? Mais en fait, les deux sont la importants. Scène, on présente nos bébés. Voilà. Après un accouchement difficile, on présente. Oui, difficile et pénible et long. Alors je précise qu'il ne faut c'est pas. C'est 12 mois, nous. Je précise qu'il ne faut pas boire quand on est en gestation, ce qui est l'inverse de ces deux-là. Non, mais nous, c'est pas le cas. On accouche de bébés, voilà, de bébés musicaux. Voilà, c'est ça. Et on s'en tient aux bébés musicaux. C'est très bien, ils sont pas chiants, ils nous emmerdent pas, ils nous réveillent pas la nuit. À part quand on a des éclairs de génie, mais vu qu'on est con, ça nous arrive jamais. Donc tout va bien. En tout cas, c'est voilà, les deux sont complémentaires. En tout cas, la phase de compo comme la musique pareil. Ah ben tout à fait. Comme on est que deux. De toute façon, on va pas s'engueuler pour un truc. Non, c'est ça. Vous engueulez rarement avec la boîte à rythme. Ah, Alors elle est un peu chiante. C'est la plus chiante. Oui. Elle est trop. Oui, parce que non seulement elle boit pas, mais en plus c'est pas bon pour elle. Donc elle veut plus jouer après. Elle veut plus. Ah, j'avais envie de passer Hulk, le géant vert, parce qu'il y a un jeu de mots que j'adore au début. je vous laisse juge de cela. Bon, j'adore ce jeu de mots au tout début du morceau. C'est où tu annonces le titre. C'est parti. Ah non, il s'est lancé avant. Attendez, je le remets, parce que ce serait dommage de louper cette vanne. Vous en pensez quoi? Moi. Et les OGM, vous en pensez quoi? Moi. OGM, pas beaucoup ça. Hulk, le géant vert. Comme un martien tombé sur ta chimère. Comme les OGM, prenez
Il est temps de monter d'un cran. Ça siffle parce que les gens sont mécontents ou ouais, non, c'est parce qu'ils sont, ils sont peut-être pas contents parce qu'on leur a dit qu'il fallait arrêter de sauter sur scène et puis d'écraser la boîte à rythme et puis de nous tomber dessus. Et puis on avait désigné un videur, donc pour enfin un videur, pas un videur. On avait désigné. C'est le marié, je crois. Ouais, c'était le marié parce que On t'entend le dire d'ailleurs. Je crois que c'est le marié, tu dis. Ouais, c'est ça, parce que en fait, alors c'était le petit paumé, c'est une salle d'anthologie où il y a eu tout plein de groupes punk des années 90 qui ont joué. La salle a fermé pendant une vingtaine d'années et on a eu l'insigne honneur de faire partie de ceux qui ont joué pour la réouverture de ce lieu mythique. Et donc, il y avait des gens qui se mariaient dans le bled. Ils ont rien trouvé de mieux à faire qu'à terminer leur mariage sur du Sous Hélène et l'Abominable JR en concert, quoi. Là, c'était dantesque. La mariée n'avait plus de voix. C'est vrai que le lendemain... C'était quelque chose. On a vu la mariée le lendemain. Elle n'arrivait plus à parler. Elle était aphone. Je sais pas trop pourquoi, mais enfin, voilà. Vous faites les bar mitzvahs aussi, les mariages. Ça, c'est pas trouvé, mais pourquoi pas. Il n'y avait pas un coup, vous aviez. C'était quoi cette. C'était votre mariage, votre faux mariage. Ah oui. Non, mais attends. Alors, t'as participé d'ailleurs. Vous aviez joué, oui. J'étais demoiselle d'honneur avec Raskat. Oui. C'était où déjà? C'était à Corcelles-les-Citeaux, à la salle des fêtes de Corcelles-les-Citeaux. C'est ça. Tu nous avais assisté pour faire péter des feux d'artifice qu'on avait oubliés. Et on a les gendarmes qui ont débarqué. Attends. C'était pas les gendarmes, je précise, c'était le SIG en monospace vitre teintée avec fusil à pompe, quoi, quand même, s'il vous plaît. Et ils sont arrivés vers toi, je m'en rappelle très bien, et ils sont arrivés vers toi en disant vous avez fait péter des pétards, et t'as dit non, des feux d'artifice. Bah oui, attends, c'est mec, pas la même chose, faut pas déconner. Le mec qui a aviné, qui cherche pas la merde déjà. Mais non, puis là ils me regardent et puis ils me disent « Ouais monsieur, vos papiers ». Alors faut dire quand même que t'étais de bleu vêtu avec une perruque. Mais vous aviez joué ce soir-là, non? Non, on n'était pas en état, en fait. Non, c'était pas possible. Il y a du monde qui n'était pas en état ce soir. Jean, on pense à toi. Oui. Et on pense à toi aussi, Minou, avec ta peau de bête en train de ramper pour allumer les feux d'artifice. C'était quelque chose de magique. Ouais, je me rappelle pas, tu dois mentir. Il est 19h passé de 53 minutes. Voilà. Ouais, une raison de plus pour finir cette émission. on va mettre un morceau. Tiens, c'est le. Alors, j'hésite entre Aristocrate, on l'a pas passé encore, et on n'a pas passé le Hulk le géant vert. Et je peux dire un petit bonjour. Ah non, Hulk, je pensais à Valduc. Peux dire un petit bonjour. En passant, je voudrais faire un gros bisou à Laurent. Ah, il va se reconnaître parce que de toute façon, je suis sûr qu'il est en train d'écouter. Hey, Lolo, on t'embrasse. Parce que ça fait deux fois qu'on passe et ça fait deux fois que tu nous écoutes. Ça, c'est un truc de dingue quand même, tu vois, ça, c'est un fan. Et il y en a quelques-uns. Et voilà, heureusement, pas trop, sinon on serait dans la merde. Mais c'est cool. Et tu voulais mettre... Attends, tu m'as dit... Je t'ai dit Aristocrate ou Valduc ? Aristocrate, alors Aristocrate, c'est bien parce qu'on a fait un karaoké, donc... On peut retrouver sur internet et chanter en même temps. Ah ouais, sur bonne YouTube. Info, ça. Ah bah sachez alors voilà, Vivi vient de vous le dire, il y a et c'est notre chant révolutionnaire donc il y a un morceau en karaoké d'Aristocrate de Sous Hélène et l'Abominable JR. Tout à fait. C'est parti, bah on s'écoute ça. C'est parti sur le 92.2. Branchez YouTube et regardez. C'est un morceau dédicacé à tous les 14 juillet puisque ça s'appelle Aristocrate. Spécial dédicace à tous les camarades bourgeois. Tu sembles cool dans tes veines. Pour toi la vie n'est pas un problème. Des lignes fanées sur ton blason et les poches remplies de pognon.
l'aspiration consanguine. Mais où est passée la guillotine pour chasser les talonnettes, affûtons nos baïonnettes sur le chemin de la Bastille. Ah, dans nos yeux, une lueur brille. Ouais, pour nous les sans-culottes, ce sera le jour de la révolte. Aristocrate, antidémocrate, aristocrate, la dictature te gratte. Aristocrate, attention à toi. Aristocrate, on pourrait bien mettre ça. Ah, ça ira. Est-ce qu'on aura l'occasion de remettre ça? Bah oui, on aura l'occasion de remettre ça parce qu'il est 19h57 et on aura le temps pour un dernier morceau. C'était Sous Hélène et l'abominable JR, David et Vivi ce soir pour cette émission. Les Agitis locales, je le rappelle, émission locale de Radio Dijon Campus où tous les projets sont représentés ce soir. Ce soir, c'est punk. Et ce n'est pas pour me déplaire. Comment trouvez-vous l'émission pour l'instant, mon cher David et Vivi? Comment trouvez-vous Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant c'est un succès? Ah, c'est totalement un succès là. Mais à partir du moment où il y a déjà une personne qui nous écoute. Des gens de goût, ça je m'en doutais. C'est formidable. Ils sont plus que ça, je suis sûr qu'ils sont coincés dans la neige ou en train de patauger dans la neige, dans les embouteillages. 30 octobre, on vous salue. Si vous réussissez à sortir vivant du 30 octobre, vous êtes des winners. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus. Bah, ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir. Merci à toi de nous avoir reçu, parce que faut de l'audace. Toujours pas re-enregistré. Voilà. Une fois, c'est de l'audace. Deux fois, c'est du masochisme, en fait. On dit jamais 203, mais là, je pense qu'on peut le dire. Hein, voilà. Pas tout de suite, quoi. Hein, pas tout de suite, en tout cas. On va attendre un peu. Voilà. On fait un morceau par an. T'attends 5 ans, et puis on aura un album, peut-être, avec un peu de chance. On aura l'album de 2020. Vous reprendrez la moitié des morceaux d'avant pour les remettre. En 2028, c'est les 20 ans de Sous Hélène. Oh la vache, qu'est-ce qu'on va faire? Ben rien en fait. En tout cas, merci à vous deux. C'était un plaisir de vous recevoir. On se quitte avec un dernier morceau. Le morceau qui concerne les Dijonais. Tiens, un morceau Valduc Power. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Valduc, David explique ça en début de morceau. C'est parti. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était les Agités locales. Merci beaucoup à Bonne tous. Bonne soirée à vous. À bientôt sur scène. Le morceau qui suit s'appelle Valduc Power. Valduc, seuls les Borinons, voire les Dijonais savent ce que c'est. C'est une centrale nucléaire militaire. Là-bas, ils font la bombe. Ils font des munitions d'uranium appauvri. Personne n'en parle. Ça s'appelle Valduc Power.